Je m'appelle Estelle Poré, j'ai 24 ans et je pratique le jet ski en compétition internationale. J'ai commencé à travailler à l'académie au mois de mars 2020, donc ça va faire 6 mois. Donc je pratique le jet ski depuis que je suis toute petite en compétition et on va dire depuis 4-5 ans à haut niveau et il est arrivé un moment où je commençais à stagner et on va dire pire que ça, c'est-à-dire que j'arrivais pas à finir une course en étant fière de moi. J'étais complètement bloquée. Alors à l'entraînement je performais assez bien, j'avais tout on va dire, j'étais quand même douée, je travaillais pour ça et en compétition j'arrivais pas à exprimer ce que j'exprimais en tout cas à l'entraînement et je finissais toutes mes compétitions frustrée. Comment j'ai trouvé l'académie? Tout simplement, je me suis reconnue dans l'histoire de Pierre, puisque moi aussi j'ai connu un petit peu ce qu'il a connu, c'est-à-dire que j'ai été beaucoup de fois, deux fois vice-championne du monde, vice-championne d'Europe, enfin à chaque fois j'étais deuxième ou troisième et je me suis reconnue dans son histoire et du coup je me suis dit c'est ça qu'il me faut et j'y vais. J'ai eu deux compétitions importantes du championnat d'Europe où avec naturel et sans forcer j'ai réussi à exprimer ce que j'avais envie d'exprimer, à être déterminée, à donner tout ce que j'avais. C'était mon objectif et en plus de ça, le résultat était là aussi puisque j'ai remporté le dernier Grand Prix, donc tant mieux. Mais voilà, mon objectif principal était vraiment de faire cette compétition en étant libre et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc le but avec lequel je suis venue à l'académie a été rempli et je pense qu'il va y avoir plein d'autres belles choses qui pourront être faites grâce à ce programme. Même au niveau personnel, ma vie a changé avec mon entourage qui me considère comme je suis aujourd'hui et comme j'ai envie d'être. Au niveau des défis, c'est assez marrant parce que quand j'ai commencé le programme à l'académie, j'avais des objectifs qui finalement ont un petit peu évolué parce qu'en fait, en faisant ce programme, on se sent inarrêtable, on progresse tellement vite que finalement, il n'y a plus aucun objectif qui nous paraisse impossible. Je pense, et ça fait un petit peu peut-être trop publicité de dire ça, mais il faut foncer. C'est vrai que moi, la première fois, quand j'ai vu les pubs sur Facebook, je me suis dit, mais c'est un vendeur de rêves. Enfin, on ne peut pas comme ça tout changer. Tout le monde n'est peut-être pas capable de réaliser son objectif. Mais en fait, non, il ne faut pas s'arrêter là parce que ce que le programme il offre, même si finalement on n'atteint pas l'objectif pour lequel on est venu, ça offre plein d'autres choses qui vont vous ouvrir la vie et vous permettre de vivre tout simplement mieux avec vous-même déjà dans un premier temps et donc forcément avec les autres autour de vous.